Salut, bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto, Harley Davidson et plus particulièrement du Softail Standard, puisque c'est ma moto. J'ai eu la chance début septembre de participer au festival organisé par les Narvalos Bikers à l'Assaut de l'Amérique. Je vais d'ailleurs très bientôt vous partager mon week-end dans une prochaine vidéo. Ce festival a rassemblé plus de 60 000 passionnés de la culture américaine. Incroyable! Mais aujourd'hui, je vous emmène en balade sur un Sportster que j'ai pu essayer en marge du festival. Et restez bien jusqu'à la fin pour voir l'heureuse histoire qui conclut cette vidéo. Allez, c'est parti! Yes! Ça tourne! Alors, fin de festival, j'ai la chance de pouvoir essayer ce petit Iron sympathique qui est en stage 1. Qui fait un bruit plutôt sympa. Bon, par contre, le porte-clés, oh, il est énorme. Ah, il est trop beau. Et en plus, il est monté MCJ, donc c'est pas mal parce qu'il y a le système avec ouverture, c'est ce que je vais avoir sur ma moto. Donc ça va me permettre de tester le truc, quoi. On va sortir par là. Nico ! Les MCJ, on ouvre comment ? Comme ça ou comme ça ? Ok. Ok, ça marche. Putain, ça va me rappeler des souvenirs, hein ? Sportster. Je suis trop content. En plus, Ah. Le luxe. Putain. On va le baisser. Et pourquoi on le baisse vers l'avant, hein? Eh bien parce que sinon, c'est galère. Ah, moi aussi. Ah, c'est clair. T'avais pensé à régler tes rétro. Ah oui! Ah oui! Oh oui! Eh, j'ai plus d'essence! Ah, c'est bon ça! Ah, j'ai pas l'autonomie. T'as pas d'autonomie? Ah merde. Ça joue pas trop, quoi. Non, c'est ça. Hé hey, l'ours. Alors le petit dosseret dans le dos là, wow, c'est une bonne petite tuerie ça. Oh, bon.
Merci. De rien. Ouais. Super. Bon, bonjour. Merci. Je sais pas. On verra. Ah bah là, franchement, j'ai hâte d'avoir un MMCJ. Je sais pas si vous entendez la différence, mais là, moi, c'est énorme. Oh là 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 là. Oh. Ah, puis alors, de remonter sur un Sportster, c'est vraiment agréable, quoi. Là, c'est ce que je disais dans ma vidéo, pourquoi choisir un Sportster plutôt qu'un Softail. La sensation qu'on a sur ces motos-là, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Je suis pas étonné que les mecs, ils adorent les Sportster, quoi, parce que on est vraiment sur du brut, quoi. Ça vibre, là. Je sens le moteur qui vibre. Dans les pieds, dans les bras. Bon, après, évidemment, je pense que sur des longs kilométrages, le Softail reste plus agréable quand même. Hein. Puis alors là, à bas régime, je suis à combien là? Parce qu'il y a un ordinateur de bord, évidemment. Voilà, gear. Je suis en cinquième. 1900 tours. Putain, j'ai l'impression que ça tournait moins vite. Oh là 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 là. Et alors du coup, ce qui est bien avec MCJ, c'est que voilà, l'échappement est ouvert là complètement. Donc voilà, il y a même des petits retours, quoi, tout ça. Et si je veux passer sur un son plus sourd, hop, j'ai tourné la manette. Et voilà. Là, vous voyez, j'accélère. C'est tout de suite beaucoup plus calme. Et ça préserve les oreilles de vos voisins. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on peut ouvrir, on peut graduer en fait, on n'est pas obligé d'ouvrir complètement ou de fermer complètement, quoi. Là j'ai ouvert à moitié là. Il n'y a que 5 vitesses, vous voulez passer la... Ah merde, putain, bah oui. Eh oui, il n'y a que 5 vitesses sur sa bécane, et on a un 6 sur le Softail. Mais moi aussi je dois avoir que 5, mais là on roule pas assez vite. Là, je suis en quoi là? Oh, les retours. Oh, pom, 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 pom. Les retours qu'elle me fait, laisse tomber. Là, je suis en 3, 2000 tours. Bon, là, je pense que les retours, ils sont plus sur la seconde. Même sur la troisième, quoi. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Ouais, puis la position de conduite, elle est vraiment agréable aussi. Mon Sportster, moi, j'ai été en commande middle. Et donc, ça me pétait un peu la hanche ici, parce que je fais 1m81. Et là, en commande avancée, c'est franchement agréable. J'ai quasiment la même position que sur mon Softail en commande middle. Oh putain, je vais être comme un gosse avec mon stage. Le retour.
En fait, c'est ça Harley, quoi. Là, on était quoi? On roulait à 80? J'ai même pas regardé le compteur, en fait. Le bruit de la moto, les vibrations qu'on a, les retours qu'elle peut faire. Enfin, voilà, le bonheur, enfin, le plaisir, en tout cas, de conduire avec une Harley. C'est ça, il n'y a pas besoin de rouler à 230 pour commencer à avoir des sensations. Franchement, je vois pas comment je pourrais changer de marque en vivant des sensations comme ça avec ces motos-là. Heureux hasard, quelques semaines après l'essai de cette moto, j'ai pu rencontrer son nouveau propriétaire qui est de surcroît l'un de mes abonnés. On a passé un petit moment ensemble à discuter et à échanger sur notre passion pour les Harley Davidson. J'en garde un super souvenir. Alors, Valentin, je te dédie cette vidéo. Profite à fond de cette moto, elle est vraiment top. Il me reste à vous souhaiter à tous une très bonne semaine. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao !